Bonsoir à tous, bienvenue dans Mac 33. Et vous le voyez, je ne suis pas seul pour ce lendemain de, j'allais dire de victoire, mais non, lendemain de match nul face à Chelsea, un partout. On y reviendra tout à l'heure avec Philippe Lucas, qui est l'entraîneur, le formateur des 18 ans au Girondins de Bordeaux. Oui, c'est un micro pour dire bonjour. Voilà. Il est allumé, oui, tout va bien. Oui. Apparemment, très bien. Bon, voilà. Oui, ça va. Alors, tout va bien. Bonjour Philippe. Bonjour. On va en reparler. Et vous avez avec vous cette semaine une stagiaire, hein, on peut appeler ça comme ça, c'est un stage, une formatrice en formation qui est Corinne Diacre. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors vous ne connaissez peut-être pas encore ce visage parce que, et on va en reparler, le foot féminin n'est pas suffisamment médiatisé, hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais Corinne Diacre a été un des piliers de l'équipe de France féminine jusqu'il y a 2 ans, jusqu'en 2006, une blessure. 2005, oui. 2005, oui, et en 2006, il a fallu raccrocher les crampons après une blessure grave. Vous aviez une petite trentaine. Hein, et sans, voilà, vous veniez de fêter les 30 ans, les bougies étaient encore toutes chaudes. Et vous avez. Non, parce que c'est ça, autant en foot masculin, on donne les dates de naissance et tout, foot féminin, voilà, on est gentleman. En tout cas, vous avez raccroché le crampon et donc vous avez arrêté le total de vos sélections à 121. Ce qui était le record, alors moi je croyais que c'était encore le record, et d'ailleurs quand on tape Corinne Diacre sur, sur Google, on a encore Record Woman, etc. Mais voilà, comme tous les records, il a été battu. Il est tombé. Il est tombé, et c'est donc une joueuse actuelle de l'équipe de France. Tout à fait, qui joue au club de Juvisy, et qui s'appelle Sandrine Soubéran, qui doit comptabiliser aujourd'hui 130 sélections à peu près. Voilà, un petit peu la Lilian Thuram du foot féminin. Alors Corinne, donc vous êtes ici pour apprendre la formation, vous voulez devenir éducatrice ? Alors, je le suis déjà, puisque j'ai quand même le DEF. Et je suis là au Girondins de Bordeaux pour essayer d'avoir le certificat de formateur, donc une formation longue sur 2 saisons sportives. Et donc, j'avais demandé à faire mon stage pratique au Girondins. Pourquoi ? Puisque, j'habite en Charente. Donc il y avait la proximité et puis j'ai un ami de longue date qui est dirigeant ici qui s'appelle Francis Borde que je crois que tout le monde connaît. Francis. C'est vrai que je lui avais parlé que j'avais besoin de faire un stage pratique dans un centre de formation mais il m'avait dit écoute je peux en parler de mon côté et donc j'avais écrit ensuite à monsieur De Wessler qui m'a très gentiment accepté ici. Voilà et vous avez trouvé un tuteur tuteur de renom qui a fait ses preuves en tant que joueur et qui l'a fait depuis quelques années d'ailleurs en tant que formateur, c'est Philippe Lucas. Philippe, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, pourtant c'est un passé assez proche, vous avez mené votre équipe en finale de la Coupe Gambardella l'an dernier. Oui, l'année dernière, exact. Oui, et bon, ça s'est moins bien passé au Stade de France. Vous avez, voilà, c'était un parcours parfait jusqu'au Stade de France. Et là, face à Rennes, votre alter ego, hein, c'est un petit peu le rival en termes de formation des 18 ans, vous êtes tombé. Oui, c'était, on va dire, le gros regret de la saison dernière, puisque pour la première fois depuis que je m'occupe de cette catégorie, on s'était fixé comme objectif de faire un beau parcours en Gambardella. Donc le club s'était vraiment donné les moyens en faisant redescendre de manière systématique les meilleurs joueurs. Donc j'avais tous les joueurs à disposition. Nous avions fait un parcours difficile parce que beaucoup de matchs à l'extérieur contre des centres de formation. Donc on nous avait rien épargné. Et notamment lors de cette demi-finale, je sentais qu'on avait un groupe hyper costaud mentalement, puisque pour rappeler le déroulement du match, nous menions 3-1 à 5 minutes de la fin. Les Havrais étaient revenus à 3-2 à 2 minutes de la fin du match et avaient égalisé à la 93e minute. Donc nous, il n'y a pas de prolongation, c'est directement les pénaux. Vous doutez bien qu'il y avait une équipe qui était euphorique et l'autre qui était légèrement abattue. Ouais, l'ascendant psychologique était. Voilà, et malgré ça, donc les garçons avaient su reprendre le dessus, être très costaud. Le gardien, c'était. C'était Gilles Mélien. Gilles Mélien, oui. qu'on a vu hein, avec les pros à Cluj notamment. Exact. Il avait fait le déplacement à Cluj et après il était numéro 2 derrière Kevin Olympa. Exactement. Quand Mathieu Valverde a été sous choc. Donc c'était pour Bordeaux-Guingamp où Gilles Mélien était numéro 2. C'est ça, c'était Gilles. Donc les 5 tireurs ont réussi leur pénalty et Gilles a fait l'exploit une fois et ça a suffi. Donc nous étions passés
5-4. Et à partir de là, on s'est dit, on a toujours la hantie, justement, sur une finale qui plus est au Stade de France, de passer à côté du match. C'était enlever le rideau de la finale de la Coupe de la Ligue. De France. La Coupe de France. Oui, exactement. Ouais. Lyon-PSG. Mm. Et ce qu'on craignait un petit peu, mais en même temps, ce dont je pensais être à l'abri, est arrivé, c'est-à-dire qu'on a fait un non-match. Ah. On n'a pas joué. Et, c'était le 3-0. C'était le Chelsea-Bordeaux version 18 ans. Exactement. Les joueurs ne se souviennent même sûrement de rien aujourd'hui, si ce n'est du goût de la victoire, mais de la défaite. Mais c'est, oui, ils étaient passés complètement à côté. Même des garçons comme Gabriel Obertan, que vous aviez eu en sorte de renfort de luxe. Tout à fait, juste pour la finale. Hein. Ouais, c'était bon, voilà. Mais ça n'a pas été le seul. Hein, à l'image de l'ensemble de l'équipe, c'était vraiment un match sans. Voilà, on n'a pas. On ne s'est pas accaparé l'événement et on n'a pas su occulter tout ce qu'il y avait autour. Mais en tous les cas, ça leur a servi, je l'espère, en tant qu'expérience pour leur carrière future. Oui, bon, là, c'était une expérience assez lourde parce que c'est vrai, un échec, bon, ça arrive, mais là, c'est un échec cuisant parce que se retrouver en finale au Stade de France et rater complètement cette finale. Qui plus est télévisée. Voilà, donc qui plus est télévisée. C'est vrai qu'ils en auront peut-être pas beaucoup des expériences comme celle-là. En tout cas, pour certains joueurs, ça restera le match de leur vie et ils sont passés à côté. Oui, ça sera un match où ils auront beaucoup de regrets. Maintenant, bon, l'épopée a quand même été positive dans son ensemble, puisque ça a permis au moins de faire connaître et de faire parler de la formation au Girondins de Bordeaux. On a eu quelques articles. Vous finissez numéro 2. Et je pense même que si on avait gagné la Gambardella, on aurait été numéro 1. Ouais. Donc on ne voit pas grand-chose, on n'est pas très loin. Mais on ne désespère pas. Voilà, c'est comme ça au Girondins de Bordeaux. Même en championnat, en Ligue 1 l'an dernier, Bordeaux était deuxième. Et donc, pour faire mieux, il faut être premier. Il n'y a plus à réfléchir. Et vous, c'est pareil cette saison. En plus, vous avez bien commencé la saison. Vous êtes premier. Oui, ça se passe bien. Au-delà de la compétition et du classement, qui néanmoins n'est pas un hasard, j'ai surtout un bon groupe. Renouvelé à quel pourcentage par rapport à l'an dernier ? 95%. 95%. 95%. Oui, parce que les meilleurs 18 ans évoluent s'entraînent soit avec les pros, comme Mathieu Saunier, Henri Cévé, qui sont encore 18 ans, il ne faut pas l'oublier. Et les autres sont en CFA, effectivement. Voilà, c'est 95%. Alors là, voilà, Corinne, vous voyez le chemin à parcourir pour être un formateur de la taille de Philippe Lucas, c'est qu'on vous prend une équipe, vous finissez en finale de Gambardella, on vous reprend toute l'équipe, on vous en met des autres. Alors, ça montre aussi le travail fait sur les 16, en préformation également. Oui. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas là par hasard, ces joueurs. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Quand vous voyez Philippe Lucas et ses garçons, j'espère qu'on va montrer quelques images. On vous a filmé ce matin dans un brouillard à l'anglaise. Hein. Je crois que les joueurs de Chelsea ont oublié quelque chose à l'aéroport de Mérignac en partant, le brouillard qu'ils ont laissé ici. On vous voit là avec eux. Qu'est-ce qui vous séduit dans ce métier de formateur qui peut être ingrat et qu'est-ce qui vous fait le plus peur ? Vous avez déjà un diplôme, c'est vrai, bon, maintenant vous cherchez à évoluer encore ? Oui, disons que moi ce que j'ai envie de faire, c'est que je n'ai pas eu la chance de bénéficier de ces structures-là. Bon, il faut dire déjà que chez les filles, il n'y a pas de centre de formation. Voilà, on a aujourd'hui un pôle France qui est situé à Clairefontaine et ensuite on a des sections sportives, c'est tout. La fédération a par contre un projet de créer d'ici 2 ans des pôles espoirs uniquement pour les filles. Donc mon objectif c'est éventuellement de postuler sur un poste qui sera disponible. Mais c'est surtout, d'un point de vue personnel déjà, c'est m'enrichir. Et puis essayer de redonner tout ce que l'on m'a donné quand moi j'étais jeune, même si c'est vrai que je n'ai pas eu que des éducateurs de renom, mais... il y a quand même des gens qui m'ont fait confiance à un moment et qui étaient diplômés. Gérard Fontenay, que j'avais eu en section sportive, qui est aujourd'hui à Strasbourg. Aimé Mignot, qui m'a donné ma chance en équipe de France alors que j'avais à peine 18 ans. Et Dieu sait que j'ai fait beaucoup d'erreurs en tant que défenseur central à l'époque. Donc voilà, j'ai envie de redonner, mais j'ai aussi envie d'apprendre. Voilà, ouais. J'ai envie d'apprendre et la formation aujourd'hui à la française est... je pense comme encore la plus performante et je suis surtout très, très flattée de pouvoir travailler aux côtés de personnes comme Philippe, mais vraiment j'ai été aussi très très bien acceptée par toute l'équipe aux côtés de Patrick Battiston. Alors une question qui peut être naïve, mais quand on est formatrice, est-ce qu'on ne forme que des filles ?
Parce que, par exemple, quand on prend tous les formateurs, alors il y a des filles qui viennent parfois au Girondin pour Cap Girondin, etc. Mais je ne sais pas s'il y a des filles dans le staff fixe des Girondins en formateur. Non. Par contre, on a des filles, c'est vrai, qui viennent pour Cap Girondin. Qui encadrent Cap Girondin voilà, et qui le font très bien. Voilà, qui sont aussi diplômés que les garçons. Est-ce qu'on se destine à ne former que des filles? Non, non. Je crois qu'il faut surtout éviter de se sectoriser comme cela. Il n'y a pas un football des garçons, un football des filles. Et on a souvent tendance à dire le football et le football féminin. Mmh. Et aujourd'hui, on a un petit peu ce problème chez nos jeunes filles qui pratiquent le football. Et quand on leur demande quelle discipline elles font, elles disent football féminin. Alors que ce n'est pas une spécificité. Donc, bon, il y a quelques tabous encore à changer, mais disons que c'est vrai qu'aujourd'hui, les garçons sont chez les hommes et les filles sont plutôt chez les filles. Ouais. Maintenant, on a quand même. C'est une question de réseau, peut-être. Voilà, mais on a quand même quelques hommes qui s'occupent du football pratiqué par les filles aujourd'hui. Bruno Bini, sélectionneur actuel de l'équipe de France. Tout à fait, sélectionneur de l'équipe de France. Je crois que c'est l'un des premiers, je n'ai pas regardé ça, mais c'est l'un des premiers hommes. Non. Non. Non, non, non. Ça a toujours été coaché par un homme, sauf du temps d'Elisabeth Loisel. Voilà, Elisabeth Loisel qui restait quand même une dizaine d'années. Oui, tout à fait. Le premier était Francis Pierre Cochet, le second Aimé Mignot, ensuite Elisabeth Loisel et Bruno Bini aujourd'hui. Ouais, Bruno Bini qui fait du bon boulot. Alors c'est vrai c'est compliqué parce qu'en effet les structures ne sont pas les mêmes. Non. La médiatisation n'est pas la même. C'est-à-dire que quand on recherche des sponsors, c'est toujours plus compliqué. C'est pas simple, mais il y a quelque chose déjà de très évident à dire, c'est que le football pratiqué par les femmes est amateur. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, je ne vais pas dire qu'on a presque tout dit, mais on est au balbutiement, je dirais, du football masculin il y a 30 ans, quoi.